Mihawk est l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Il est l'épéiste le plus fort du monde. Lui et Shanks étaient de grands rivaux. Il est dit que leur duel faisait trembler tout Grand Line. Mihawk n'avait pas peur de défier Shanks dès que possible. Même le légendaire Barbe Blanche disait de leur combat qu'ils étaient légendaires. Mihawk a voyagé seul, sans équipage à travers le monde. Il a cherché et combattu tous les sabreurs de One Piece jusqu'au dernier. Sa vision est tellement puissante qu'on le surnomme Œil de Faucon. Son sabre, Yoru, est l'un des 12 Maito légendaires. Dracule Mihawk était le seul Shichibukai à voyager sans équipage et à ne posséder aucun territoire. Il est le mentor du célèbre Roronoa Zoro. Doté d'un sens rare de l'honneur, il a refusé de combattre Shanks depuis qu'il a perdu son bras. Mihawk est tellement fort que son rêve ultime n'est plus de gagner, mais de perdre face à un adversaire plus fort que lui. Il est doté d'une force physique extraordinaire. Il a vaincu Jinbe en un seul coup d'épée. Dans le chapitre 1056, il est clairement dit que Mihawk est un épéiste qui surpasse largement Shanks le Roux.